En séjour au Gabon dans le cadre d'un atelier sous-régional pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Afrique centrale, Ségolène Royal a été reçue ce vendredi après-midi par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. L'objet de l'entretien portait sur les projets culturels, notamment la restitution des biens dans la prolongation du colloque qui vient d'avoir lieu. Et avec la fondation que je préside, le Désir d'avenir pour la planète qui s'implique sur la justice culturelle pour rendre au continent africain toutes les œuvres qui n'auraient jamais dû quitter le continent, voilà, qui ont été spoliées ou qui ont été volées, ou etc. Et donc, comme le président Emmanuel Macron a lancé aussi une dynamique de restitution des biens, je suis venue voir pour comment je pouvais aider à cette restitution des biens. Et nous avons commencé déjà avec le ministre de la Culture à avoir un certain nombre de collections qui ont été redonnées au Gabon, qui vont arriver au Gabon et qui vont être exposées au Gabon. L'audience accordée à la présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète constitue le point culminant de son séjour et démontre une fois encore son intérêt pour la protection et la valorisation du patrimoine culturel gabonais.